Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 28e épisode de notre série Dexai en Normandie toujours avec le roi Roland. Alors, deux trois petites choses rapidement. Et je me suis rendu compte que le fait que j'ai donné à mon neveu le comté du Maine fait qu'il n'est plus héritier du comté de Penthièvre. Il est sorti complètement, alors que c'est bien son seul et unique fils, il est sorti complètement de... Oh, l'héritage. Alors je suis allé vérifier, parce que l'avantage quand tu changes une partie, c'est qu'on peut changer de personnage. J'ai été vérifier le Saint-Empire, et ils sont même pas en héritage... Attendez, je vais le reprendre parce que je vais pas dire le terme, je vais me tromper. Oui, alors juste en fin de partie, après avoir coupé l'enregistrement, j'ai lancé une obligation bourgeoise, enfin augmenter de légère impôt. Là, attendez, hop. En étant très légère impôt, je l'ai augmenté en légère impôt pour gagner encore un peu plus de sous. Sachant que tout le monde va accepter, normalement, enfin j'ai 3 partisans, 3 contre, donc ça va le faire. Bref, ils sont en régulation de l'héritage libre. Donc pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Et du coup, malgré tout, l'héritage, alors soit, je ne sais pas, je comprends pas trop, donc voilà. Malheureusement, bah, ce truc-là, on va pas le récupérer, je ne sais pas pourquoi. Donc oui, on allait partir, effectivement, par contre, pour cette partie en pèlerinage, comme nous l'a demandé le Conversus, si mes souvenirs sont bons. Au niveau des événements, donc on a des revendications qui peuvent être soutenues, toujours pareil. Alors, dans la nuit noire, endormi à l'auberge, les pèlerins ont fait un rêve magnifique. Marchez dans une forêt dense et remplie des bruits et des senteurs de la nature. De petits écureuils courent devant vous et des oiseaux chantent dans les arbres. Vous continuez à marcher quand vous remarquez une odeur nouvelle, à la fois étrange et familière. Vous ne parvenez cependant pas à l'identifier. Pourtant, vous la connaissez, cette odeur, vous la connaissez même bien. Ah, mais oui, c'est le feu! Vous vous réveillez instantanément, on étouffe dans la chambre, vous entendez le bruit des flammes qui crépitent et un instant plus tard, les cris des gens qui hurlent, l'auberge est en feu. Tente de teindre le feu, je peux avoir 10% de chance d'être blessé et 30% de chance de devenir brave. On ne l'est pas. Ou on se met en sécurité, on devient lâche. Non, non, on va tenter. Et on est devenu brave. Et ça, c'est encore plus cool. Alors que vous... Moi, maître espion, tente de tuer mon compte. Ouais, bon, je pense que ça va s'arrêter. Alors que vous traversez un petit village sur votre route, une vieille femme s'approche de vous. Elle a reconnu en vous le pèlerin... et vous explique que sa fille et sa famille vivent non loin de votre destination. Les temps sont durs pour eux, elle vous demande de leur apporter une bourse remplie de pièces. Alors, je vous rendrai service, on y ajoute un peu de notre argent, mentir et garder l'argent pour vous. Non, c'est un peu de la merde. Ce ne sont pas mes affaires, on va y ajouter un peu d'argent, parce qu'on est un bon roi, aimant. On s'en fout un peu en fait. Mais... c'est pour l'au-delà, tout ça. Alors que le soir tombe, après une longue journée de route, vous remarquez plusieurs feux de camp autour d'eux, des chevaliers saints qui se reposent après une longue journée à cheval. Ils vous invitent à partager leur repas. Bah, carrément qu'on va le faire, 30% de chance de gagner un point d'érudition, on va voir. Et oui, on réussit. Décidément, deux trucs à 30%, on réussit. Rome, vous voici enfin à Rome. Alors que vous entrez dans la ville éternelle, vous êtes frappé par le nombre de bâtiments et de monuments anciens que vous voyez. Cela fait sur vous une forte impression et vous tentez d'imaginer ce qu'ont pu ressentir les apôtres lorsqu'ils sont arrivés ici la première fois pour accomplir leur mission à une époque où la cité était au fait de sa puissance. Aujourd'hui, d'importants quartiers semblent dépeuplés, mais la ville regroupe tout de même une importante population concentrée autour du Tibre. Les sites sacrés que vous voulez visiter sont notamment les basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul, ainsi que d'autres églises primitives et les lieux associés aux martyrs. Vous frayez un chemin jusqu'au centre-ville, espérant ne pas vous perdre alors que la foule autour de vous est de plus en plus dense. Tous les chemins mènent à Rome. L'histoire que racontaient les pèlerins décrivait un lieu... impressionnant. À présent que vous pouvez le voir de vos propres yeux, vous ne pouvez que constater qu'ils avaient raison. Être ici est un... Oh là là, je suis désolé, hein. Pourtant je dis bien, mais je veux me précipiter à chaque fois et je fais de la merde, c'est énervant. Je vais me calmer. Être ici, dans l'un des lieux les plus sacrés du christianisme, vous remplit de joie. Le voyage en valait la peine. Vain de piété. Ouais, c'est pas oufissime, clairement, mais... Toujours la croisade de Balte, une guerre entre les Teutons est en cours. Ah non, ils ont rejeté la loi, tiens. Bah c'est marrant, pourtant il me semblait qu'on était 3 contre 3 et que ça passerait. Bon bah tant pis. Tant pis, c'est pas très très grave. On est de retour, c'est un voyage gratifiant, intéressant, vous en feriez volontiers un autre si vous en aviez l'opportunité, mais rentrez à du bon. On est devenu pèlerin, on gagne plus de piété, pardon, et on gagne de la piété, tout court. La régence a pris fin, il est heureux qu'on soit revenu sain et sauf, et on gagne, on a réussi la mission, et on gagne 300 points en dévotion. Donc
on est à 965. Et pour devenir... il nous faut 2000 points. On va essayer de monter jusqu'au plus haut quand même avec ce personnage. Mon souhait de devenir un meilleur catholique m'a amené à respecter la règle de Saint Augustin. Alors que je suivais cette voie sacrée, j'ai remarqué que mon besoin de reconnaissance constant avait presque disparu. Ce changement a même aidé à me préoccuper des choses qui comptent vraiment. On devient humble. Pourquoi pas ? L'instauration de la loi héritage réglementée a été approuvée en France. Putain, la France a bien blobé en Espagne, hein. J'avais pas vu, mais... Ouais, ça devient un adversaire très sérieux aussi, hein, finalement. Ouais, 20 000 troupes. Hein. On n'est pas dégueu non plus, mais... Selon votre chancelier, les pays de Mortain ont la charmante tradition de se rencontrer entre villages voisins pour danser, festoyer, former des couples. On va maintenir la tradition, bien évidemment. Prospérité à Caen, c'est parfait. On peut prendre un forgeron, mais non. Alors, le duc Saint-Wilk de Warwick cherche à revendiquer le comté de Lincoln. Alors, voyons voir, parce qu'alors oui, à la partie d'avant, ce qu'il va falloir que je fasse, alors on m'a conseillé de le faire plutôt en fin de vie du personnage, donc on va attendre, parce que ça va nous faire des malus. Il faut que je m'occupe de recentrer les duchés. Je m'explique, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Le comté de Cornouailles, de Jure, appartient au duché de Bretagne, jusqu'ici on voit bien. Et de Jure, le duché de Bretagne, c'est ça. C'est-à-dire que le duc de Bretagne doit avoir autorité sur tout ça. Aujourd'hui, il a autorité que sur ça. Pourquoi ? Parce que le comté de Léon est sous autorité d'un autre duc, qui est là, et s'est rattaché à son duché de Lancastre. Son duché de Lancastre qui, de jure, est comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il a pas ça, il a ces trois trucs-là. Au jour d'aujourd'hui, il ne l'a plus. Voilà. Tac. Tac. Donc il va falloir que je lui demande d'annuler ça. On peut lui soustraire un vassal, pour ça on va là, on fait clic droit. Soustraire un vassal, le comtesse de Léon. Sauf que votre vassal va moins pas aimer, moins 20. Cet acte constitue une violation du contrat féodal, ce qui ne manque pas de froisser les autres vassaux, et en plus il est en peut-être. C'est-à-dire qu'il est pas, c'est pas certain qu'il accepte. Bon, il m'aime pas trop en même temps. Alors moi, est-ce que j'arrive à avoir un oui ? Je vais tenter, je sais pas s'il y a moyen d'avoir un oui. Sinon j'ai perdu un peu de sous. Ouais, on est toujours en peut-être. Donc il y a des chances que s'il refuse, rébellion, guerre, tout ça. Bon, de toute façon, il faudra bien que je le fasse, hein, mais... Et bah, il a un deuxième duché, donc c'est le duché de Gloucester. De jure, il doit être comme ça, et au jour d'aujourd'hui, il est comme ça. Donc, et ça, c'est parce que c'est une erreur de ma part. Lui, son duché devrait être comme ça, et il est comme ça, parce que je lui ai demandé d'arrêter la guerre. À un moment, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une action comme ça. Arrêter, demander d'abandonner la guerre pour laisser l'autre gagner, j'aurais pas dû. Parce que là, c'est ma faute. Est-ce que lui, j'ai moyen de lui demander de lâcher Gloucester ? Non, en plus, je ne peux pas. Je sais pas pourquoi, mais je ne peux pas. Ah, parce que si je peux pas, parce que c'est son titre de comté direct. C'est-à-dire que lui, il a le titre de comté. Tant qu'il donnera pas ce titre-là à quelqu'un, vu qu'il est à lui personnellement, bah c'est mort, je peux plus le rattacher. Donc là, c'est un raté de ma part. Ensuite, si je prends le comté de Devon, de jure, il est dans le duché de Cornouailles. Alors là, c'est même pas que je peux pas, c'est que je peux, mais il faut que je déclare une guerre. Ensuite, Dorset. Alors ouais, là, c'est encore particulier parce qu'il y a une rébellion. Par contre, Chester, donc le comté, le duché de... Ouais, alors lui, pareil, comté de Chester. Alors, attendez, je vérifie. Ouais, alors lui, c'est pareil. Le duché de Warwick, officiellement, c'est tout ça. Donc ça et ça, je peux pas, c'est pas un territoire, mais actuellement, c'est ça. Donc c'est un peu particulier, là, parce que... Bah, il faudrait que je lui demande de lâcher ses... Ouais, il faudrait que je lui demande... de lâcher le comté de Chester, mais il va pas vouloir parce que c'est son titre direct. Ah, c'est particulier, hein. Je vais essayer petit à petit sur le temps d'arranger tout ça, mais ça va être compliqué. Warwick, par contre, lui, je pourrais lui demander de lâcher le duché de Warwick, le comté de Warwick, voilà. Il accepte. Ça va me faire, ça va froisser un peu les autres vassaux à moins 5, mais c'est pas grave, on va faire la demande, vous allez voir. Ce qui se passe, il va me dire oui, même s'il va pas être très content. Il accepte, parce qu'il sait que ça ne lui appartient pas. Donc lui, du coup, est rattaché à moi directement. Il n'a plus de comté. Hein, on voit bien que il devrait être dans le duché, mais il ne l'est pas. Vous voyez, l'autre ne l'a toujours pas. Il est devenu indépendant. Donc, pour remettre ça un peu plus dans l'ordre, et ben maintenant, je vais cliquer sur le duc. Et je vais lui transférer le vassal, le comte de Warwick. Et voilà. Et maintenant, ça y est, j'ai pas recréé complètement son duché, mais je me rapproche un peu plus de la réalité. Voilà, il faut faire ça partout. C'est pour ça qu'après, ah ouais, là c'est pareil,
Lui, qu'est-ce qu'il est? Attendez, le duché de Haute-Bretagne, de Jure, c'est ça, aujourd'hui c'est ça. Donc ça, c'est bon. Le comté qui est là, c'est le petit royaume. Ah, ouais, d'accord, c'est même pas un duché, c'est le petit royaume de de Cumbria. Ok, donc aujourd'hui c'est ça, officiellement c'est ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je récupère ça. On va faire ça très vite d'ailleurs, parce que c'est un tout petit truc. On va le reprendre. On revendique Lothian. Revendication de Jure sur Westmoreland. Ouais, c'est voilà, c'est un. Ça devient mon nouveau seigneur liege et je pourrais créer le titre après, donc on va le faire. Je vais pas relever toutes mes troupes, mais je vais même pas lever mes troupes, je vais lever que les troupes des vassaux, tiens. Comme ça, mes troupes ont le temps de se refaire. Puis on va attendre que ça se fasse tranquillement. Ouais, alors, vous voyez là, typiquement, je vais mettre. Il y a un général. Je vais en mettre un deuxième et un troisième. On va leur tomber dessus. Hop, 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 hop. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai vu? Le baron, ouais. Le prince Guillaume d'Angleterre, votre connaissance est mort. C'est pas lui qui. Voulait faire quelque chose contre moi là? Une aventure? Ah non, c'est pas lui. Il y a ça qui va pas tarder d'arriver aussi, l'aventurier, tiens. Dans 2 mois. Donc j'espère que je me suis. Bon, au moins l'armée sera sortie. Hein. Peut-être devrais-je écrire au comte Charles pour essayer de le convaincre de ses bonnes, de mes bonnes intentions. Non, non, lui on va arrêter de l'influencer, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir 20 000 troupes non plus, eux on va débarquer très 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 au plus possible ici avant qu'il y ait des renforts qui arrivent. Tout ça, on range, on range. Je vais pas non plus... Ok, donc eux ils viennent là, eux ils restent là. Hop, et tout ça, on rentre. Et c'est parti. Donc là c'est bon. On a les renforts qui vont arriver, ça va être largement suffisant. Et on va là. On va laisser les bateaux de sortie au cas où que d'un coup ils décident de venir chez moi. Hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Donc, recherche un forgeron, embaucher un physicien. Hop là, excusez-moi, j'ai un petit souci. Embaucher un physicien de la cour. Pourquoi? On a rien en bon physicien? Bon, 24, il est pas mal lui, 29 ans, moi j'y crois. On a un enfant, notre fille Geva. Et ben, l'étiquette, ça ira très 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 bien. Ensuite, avertissement. Alors oui, alors, non seulement, oui, j'ai oublié de vous dire ça. Non seulement là, il n'y a plus d'héritage. Et le comté de Maine que je lui ai donné, il faut qu'il se dépêche de faire des gamins, les deux, parce que si jamais il meurt, c'est elle qui le récupère. Et ça va basculer aussi à Saint-Empire. Donc en fait, tout se retourne contre moi. Voilà, c'est que du bonheur. C'est. Voilà, j'ai. Bon, c'est pas terrible tout ça, mais bon. Ah, alors attention, le voilà avec son armée. 7000 hommes hein, quand même. Hein. 7000 hommes. Ma question est, est-ce que j'ai toujours des alliances possibles? On va faire une alliance avec le roi de France, il ne veut plus. Bah oui, forcément. Forcément. Ouais, parce que 7000 hommes quand même, va falloir les gérer. Hein. Alors, à moins de l'assassiner, mais le problème c'est que je ne peux pas, 37% c'est trop faible. Et vous voyez, il n'y a pas grand monde hein, qu'on peut acheter. D'ailleurs, ça doit... Ouais, bon. Malheureusement, ça va pas être possible. On va falloir l'affronter. Va falloir l'affronter, tout simplement. On va pas avoir de choix. Bon, on devrait s'en sortir quand même. Hein. On a quand même beaucoup plus de troupes que lui. Hein, mais bon. C'est ça en plus, quoi. Ok, ma mission à Van est un succès. Ouais, mais tu peux arrêter, hein, c'est bon, elle nous apprécie plus ou moins maintenant. Fais de l'habileté politique pour le moment. Bah, vous savez quoi, on va relever toutes les troupes, hein, du coup. On va laisser tout le monde se regrouper en attendant de voir comment ça va se passer. Allez, vitesse 4 pour accélérer un petit peu. Pop, pop, pop. Non, attendez, oui, non, c'est bon.
tous ceux-là, là, vous venez tous là. Parce que là, alors c'est pas grand-chose, hein, c'est juste les troupes de Cambry, donc c'est ceux que j'ai attaqués, là. Après des années de planification minutieuse, Drogo of Wise de la cour a formé une armée d'exilés, de mercenaires. Ça, on s'en bat les... Hmm. Par contre, là, on se regroupe, parce qu'ils vont débarquer. Non, c'est bon, ils débarquent à côté. Cela dit... Alors on va réessayer de faire la petite tactique, la petite stratégie là. Ah, escorte, ok. On va rester sur le côté. On va mettre tout le monde là. On va mettre en commandant. Ah, il est pas ouf lui parce qu'il est imprévisible. Mais ça aurait été mieux quelqu'un qui a une bonne note. On va essayer de faire venir un commandant. 16, commandant du centre. Alors, c'est bien, mais c'est pas ce que je voulais. On va essayer un autre. 12. Ouais, 12, il est pas terrible. Zut. Bon, on va essayer avec lui, mais normalement, imprévisible, c'est pas très très bien. Et nous, on va mener notre armée. On va avoir que ça sur les côtés. On va retenter, on va voir ce que ça donne. Écoutez... Tac. Et on va mettre tout le monde sur Évreux. Voilà. Alors, voyons voir. Bon, de toute façon, on va les éclater. Je sais même pas, ça allait trop vite. Merde, j'ai oublié de descendre la vitesse. J'ai pas vu. Donc, on a capturé quelqu'un. Parfait, on a perdu deux cavaliers. Ça va. On descend en vitesse 3 quand même. Parce que si les autres débarquent, ça va me faire tout drôle. Voilà, on continue le siège ici. Ça devrait aller assez vite, hein, la guerre qui est là-haut par contre. On est plus ou moins prêt à réceptionner les autres. Bon, je sais pas encore où il est lui, mais il va pas tarder de débarquer à un endroit. Hein. Parce que de toute façon, il revendique quoi? Oh bah oui, il revendique le royaume d'Angleterre, donc forcément. Le comte de Rouen a informé comme quoi le baron des rumeurs diffamatoires sur ma personne. On va garder ces informations pour nous. Ça, c'est encore les bateaux qui viennent chercher les troupes là-bas. Enfin, à la limite, je peux aller leur tomber dessus. Hein. Si on arrive avant leur bateau. On va pas arriver avant, j'ai l'impression. Ah, fait chier, tiens. Enfin, c'est pas grave. Ok, donc ici on avance. On n'a pas un commandant de siège là qui accélère les sièges, non. Bon, allez, on ramène lui. Tant pis, nous on mène les troupes ici et on surveille des bateaux arrivent. À moins qu'ils arrivent par les pieds de la terre, mais je pense qu'ils vont arriver en bateau quand même. Vu comme on est loin. Enfin, on a de la distance entre nous. C'est vrai que lui me doit toujours une faveur. Mais c'est bête parce que dans la faveur, je peux pas lui demander un vassal. Ouais, rejoindre un. C'est pas mon seigneur Lee. J'en appelle aux armes. Une invitation à la cour. Arrêter un complot. Proposer une éducation d'un enfant. Proposition de mariage arrangé. Initier le vote. Demander à votre seigneur d'appuyer. Bah après, c'est vrai que je pourrais le rajouter à mon. Tiens, faudra que je pense à l'ajouter puisqu'il me doit. Même ça, je peux pas le refaire avant. Ouais, longtemps. Régulation de l'héritage, non. Il y a beaucoup de choses que je peux plus faire du coup, donc. Parce que sinon, ouais, je l'aurais ajouté à ma cour et puis il a me devait une faveur, il était obligé de voter comme moi, tout simplement. Ah, c'est pas grave. Ah, parfait. Dès qu'il passe en lock, je déplace mes troupes. C'est fait. Même pas, j'attends le. J'ai même pas besoin du lock en fait. On va le remettre là, lui, mais bon, je pense qu'il aura de toute façon pas le temps de. D'agir qu'ils seront morts. Alors, je vais essayer de surveiller, mais faut même pas le temps de se déclencher quoi. Non, ça a même pas le temps. Il y a trop d'écart là. 100%, hop, on offre la paix, on appuie les exigences, on récupère ça, c'est parfait. On peut créer, on peut usurper le titre du petit royaume de Cambry et on l'a fait. Voilà. Donc on a un nouveau titre. Normalement.
Ou pas d'ailleurs, ou on l'a donné à quelqu'un, je sais pas trop comment ça marche. Attendez. On recommence, on recommence. J'ai bien usurpé le titre, on est d'accord. Bon. On prend le comté. Duché de Cambrai. Ah oui, c'était un petit royaume, moi ça devient un duché. D'accord, ok. Ça devient un duché, tout à fait, tout à fait. Alors là où c'est le bordel, c'est que lui, il est comte de Retz. Il est également duc de Bretagne et comte de Cumberland. En fait, il a trop de titres, quoi. Il a carrément trop de titres. Est-ce que je peux pas lui demander de passer en partage salique? Alors, elle, non. Non plus, parce qu'en fait, voilà, son héritier, il va récupérer quoi? Le duché de Bretagne, le comté de Vannes, le comté de Retz et le comté de Cumberland. Mais Cumberland, faudrait que ce soit quelqu'un d'autre qui le récupère, en fait. Comté de Retz, comté de Cumberland, ouais. Sauf que ça, on peut pas l'usurper. C'est pas mon vassal direct, donc je peux pas le révoquer. Compliqué à récupérer celui-là. Hein. Parce qu'en fait, il est sous elle. Donc en fait, il faudrait limite qu'elle, je lui révoque son titre de comté de duché de Bretagne, mais c'est pas possible, ça va pas passer, quoi. Bon, faut que je fasse un complot. Et même pas, je peux pas. Parce que c'est pas possédé par moi. Ouais, bon, allez, pour ça, il n'y a pas trop de solutions. Par contre, c'est moi qui ai le titre. Ouais, alors le duché de Cambrai, du coup, on va le donner à lui. Comte de Lothian, c'est où ça? Ah oui, il est comte de ça, c'est lui l'héritier qui récupérerait de ça. Donc ça, j'imagine que je vais le perdre en plus. Attendez, c'est où? 61 ans, ah ouais, ouais, mais je veux pas le reperdre alors que je viens de le gagner, quoi. Tant pis, je lui révoque. Allez, on va essayer d'organiser ça un peu mieux. Ça va pas plaire, hein, clairement. C'est bon, ça c'est fait ou pas? Non, on va attendre la réponse. Voilà. Non, parce que sinon ça va rebasculer, c'est bon, ça va être chiant. Donc les gens vont pas apprécier. Alors pendant combien de temps ils apprécient pas? Je regarde ça... Ouais, 5 ans, ça va. 5 ans, je récupérerai plus de 20 auprès de tout le monde. Alors, ce qu'on va faire, donc ça on va le donner à quelqu'un d'autre. Qui n'a pas de titre de préférence. Ou des fois je donne à mes généraux en général quand je les aime bien. Oui. Alors, faut quand même qu'il soit pas trop vieux non plus. Hein. Je pourrais le donner aussi à... Je vais dire à un de mes enfants, mais non. Pas le donner à ma fille. Non, mais on va le donner à la cour. On va trouver quelqu'un, il n'y a pas de problème. Où est-ce qu'il était, là, mon commandant Botolf, 30 ans. Allez. Accorder un titre foncier, le comté de Westmoreland. On inclut tous les titres qui sont en dessous. Voilà. Et derrière, je lui accorde un titre foncier et je lui donne le duché de Cambrai. Donc il est comté duc, donc lui il va me sucer la bite, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, au moins je suis tranquille. Ça c'est fait. Bon par contre récupérer ça, ce sera une autre histoire. Hein. Malheureusement, je peux pas l'annuler, je peux pas demander de passer en partage salique ni rien. Donc on va pas rechercher de forgeron, toujours pas. Puis on va attendre que l'autre débarque, hein. Y'a plus que ça à faire. Hein. Le comte de Vannes a fourni des informations. Ouais, je m'en fous. J'ai pas envie de gérer ça, comme je disais. On va monter en bateau. Et on va débarquer à... Léon. Allez. On va aller voir par là-bas. Après, niveau guerre, je pourrais aussi récupérer ça. Combien il a de troupes, lui? Le problème, c'est que j'ai peur, là, de ces 7000 troupes. Je sais pas où il en est. Offrir la paix, paix blanche, se rendre. Bah si je me rends, oui. Et il a quel royaume d'Angleterre? Mais bien sûr! Tu rêves, toi.
Ah, ça me dit où il est. Il mène des troupes en Albret. Tiens, tiens. Ok, il est en train de remonter par... Il est en train de venir à pied et de remonter. Alors, on va bien l'attendre. Y a pas de soucis, mon gars. On va aller chercher tout de suite. C'est vicieux, hein, ce système de pouvoir savoir, en fait. Vous pouvez pas voir, mais malgré tout, vous pouvez savoir. On va aller chercher le reste des troupes. On va venir sur Rennes. Et là, on va venir sur Évreux et on l'attend. Mon courtisan Baudouin demandait à rejoindre l'ordre de machin. Et bah, vas-y, tiens, il arrive. Bah, il a perdu beaucoup de troupes en route, hein. C'est ça son armée, hein. Ah, ok, elle est en deux parties. On va commencer. Question. Qui c'est qui aura un malus là? Personne. J'aimerais bien lui tomber dessus des quatre coins en fait. Je sais pas si ça changera quelque chose, mais. On pourrait peut-être faire un petit truc sympa là. On va attendre qu'il y ait... Ok, donc là ils viennent là, c'est sûr. On va bien sûr mener les troupes. Ah. Le comte Radolphe le nom, votre vassal a accepté l'offre de paix du duc Urbert le... Alors qu'est-ce qui s'est passé encore là? Oula. Mais alors, très bien, mais... C'est quoi l'histoire là? Excusez-moi, hein, je suis désolé, hein, ça peut être un peu chiant, mais... Ok. Et donc lui... Il a récupéré le comté... Attendez. C'est le duché comme ça. Ouais, il y a un truc que je piche pas là. Je verrai ça plus tard. Allez, c'est pas grave. On a un combat à mener, c'est plus important. Ça vous plaît plus et c'est normal. Merde, est-ce qu'on va le choper là? Non, on va pas le choper. Là oui, par contre. C'est parti. Allez, il faut y aller. Demi-frère, ouais, c'est très bien. Ouais, on est le double hein, quand même. Hein. Je suis extraordinaire. Oh bah oui. Je ne suis plus humble. Bah oui, tu m'étonnes. Ça c'est clair. Alors, j'ai déjà mis 80% de victoire hein, dans la tronche. Honnêtement. On va l'attendre hein, tranquillement. Je sais pas jusqu'où il va aller se retirer, mais. Mais il revient. Ça c'est bon. Merde, l'erreur. J'aurais dû attendre qu'il verrouille pour traverser, pour y aller. Assistant à la prière tôt ce matin, je remarque que le frère Walter s'ennuie sur sa chaise. Les autres membres de l'ordre dominicain sont profondément dans leur contemplation et ne semblent pas l'avoir remarqué. Je vais le réveiller avant qu'on s'en rende compte. Je touche doucement, mais je n'obtiens aucune réaction. Puis je donne un coup de coude, le faisant tousser, ouvrir les yeux, une lueur en lui, il rougit, réalisant la situation. Merci. Ce n'est rien, mon ami. Mais tu m'étonnes, il aurait été un peu dans la merde sinon. Donc on va aller sur Rouen. Et de Rouen, on va tomber. L'ordre dominicain a besoin de plus de fonds pour maintenir ses activités de bienfaisance, en espérant que vous soyez capable de vous passer une partie de vos richesses. Faire la charité. Ouais, on va accepter. Bon, là, on gagne plus beaucoup d'argent, mais c'est normal. Et. Pan! On mène les troupes, hein. On peut encore mourir, hein. Faut faire attention, mais. Mes hommes et moi avons eu du mal à trouver un champ de bataille sur lequel notre partie pouvait être employée contre un paiement en or et malheureusement nos rations commencent à se faire rares. Par conséquent, je vous demande des fonds supplémentaires pour empêcher mes hommes de mourir de faim. Ah, c'est compliqué. Bon, on va le faire. Hein. 25 pièces d'or, ça va. Même si tout le monde me raquette un peu là, mais. Voilà, 100%.
Il me paye 4 pièces d'or, il perd sa revendication, par contre je l'emprisonne, je gagne du prestige. Il a 508 pièces d'or, bah si je peux le bannir, je vais les récupérer. Je pense que je dois pouvoir le bannir. Non, je peux pas. Non, bon, on va... Ah ouais, c'est tyrannique. Eh bah tu vas rester en prison, parce que t'étais visiblement héritier de... T'étais visiblement héritier de quelque chose, comte de York, comte de machin. Bah dis donc, t'es bien héritier de pas mal de choses, toi. Hein. Bah, de toute façon, c'est trop tard. C'est comme ça. Hop, hop. Allez, l'escorte revient là. On va rebasculer au milieu. On remet Botolf. Bon, je vous demande de bien vouloir rendre la faveur comme de bien en déclarant revendiquer Lothian contre le roi. Si vous refusez ma demande, je m'assurerai que... Blablabla, blablabla. Alors, qu'est-ce que tu veux? Lothian. Où c'est que t'as une revendication contre Lothian, toi? Le duché de Lothian. Ok. Bah écoute, oui, allons-y. Par contre, j'enchaîne un peu les guerres, mais on est déjà à 50%. Ok. Bon, on va les laisser se regrouper déjà. On va monter nos troupes à nous. Déjà. Bah tiens, allez hop, ça on s'en fout d'elle complètement. On va devoir, par contre, hop, mettre pause, on lève les troupes des vassaux. On va regrouper tout ce monde là parce que 2000 troupes c'est pas rien quand même. Ensuite, tout ce petit monde là. Merde, bah j'ai plus assez de bateaux. On va déjà ramener tout ce petit monde. Après, honnêtement, ça devrait même suffire. Hein. Allez, stop, ça suffira. On va mener les troupes. Botolf, Edgar, en avant les gars. On va avoir un petit malus, mais bon. Ça devrait le faire, hein, honnêtement, ça m'inquiète pas trop. Voilà, on a 80% déjà. Ah, celui il a débarqué 400 troupes là. Tiens, est-ce qu'on peut sortir? Voilà, on va sortir des hommes là. Devon a hérité du comté de Devon, très bien, un héritage, donc on a perdu notre maîtresse pion, on va le remplacer par eh ben, le fameux duc de Somerset, puisqu'il me doit une faveur, tiens, il va être content. Alors on me demandait pourquoi j'envoyais à Byzance, par là-bas en tout cas, c'est parce que normalement ils sont, alors, ils sont dans les technologiquement parmi les plus hauts en général, et je crois que donc on a plus de chances de récupérer... Comment ça marche? Maîtresse pure recherche des technologies. D'un comté afin d'augmenter vos chances. Et je crois que plus on prend quelqu'un qui est élevé, 21, 24, 23, plus il y a des chances que ça marche. Dans le doute, moi je fais ça. J'avais vu quelqu'un faire ça, je fais pareil. Donc voilà, maintenant, si c'est pas bon, on va me le dire. Et à ce moment-là, je corrigerai ça. Avec grand plaisir. Hop.
en mes pauses. Je continue à me tenter pour cette fameuse escorte. Hein. Tac, tac. Donc là, on va prendre Oswulf. Et là, démarre. Après, il a. Non, il est quand même vachement faible. Alors pourquoi j'ai personne d'autre? Parce qu'ils sont tous pris là-haut, c'est ça? Ah, bah ils sont en plein combat, ouais. Bon, on va attendre un peu. Que le combat finisse. On les a défoncés, hein, je crois. Ouais. Là, on devrait pouvoir changer. Voilà, on va reprendre lui qui a plus de chance. Ou lui qui a 16 quand même. Ah, mais il est anglo-saxon, faut qu'il soit normand. Donc voilà. Et puis lui au milieu. On va essayer d'analyser, on va voir ce qui se passe. Mais bon, pareil, on est peut-être encore trop nombreux. Hein. Il faudrait limite être en infériorité pour se rendre compte. Là, on est dans la phase de harcèlement. Voilà, poursuite. Ouais, mais vous voyez, on a même pas le temps de la déclencher, la tactique, on les écrase trop quoi. Bon, on a 99%. On va même les attaquer. Et voilà, 100%, on n'en parle plus. Offrir la paix, appuyer les exigences, oui. Et voilà, on a encore récupéré tout ça. Bon, alors lui, par contre, il a 3 titres de duc. Hein. Ça commence à faire un peu beaucoup, surtout pour un mec incapable. Mais je ne peux pas, de toute façon, il a beaucoup de titres, hein, honnêtement. Ça aurait été bien de pouvoir lui imposer le partage salique. Mais à mon avis, on pourra pas. Je comprends pas trop le partage salique. Pourquoi des fois on peut le proposer, des fois non. Après, c'est vrai que j'aurais pu le faire pour l'Angleterre. Mais si je le fais pour l'Angleterre en partage salique, ça veut dire que le titre de roi d'Angleterre, je risque de le perdre. Et j'aimerais bien éviter en fait. Je ne vais pas le faire. Dans le doute, je vais pas le faire. Voilà, dans le doute, je ne vais pas le faire. Bon. Eux, ils veulent toujours pas devenir mes vassaux, non? Ils préfèrent rester indépendants. Bah, pourtant, j'ai un gros pouvoir. Hein. Mes cultures étrangères. Ah bah oui, tout de suite, étrangères. Raciste. Ouais, non, ils veulent pas. Et ici, on va détruire aussi. On garde que nos cavaliers. Voilà. Décidément que de guerre hein, pour s'agrandir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre pour gagner des points? On a 1300. Et donc on peut faire quoi? Enseigner la vertu. On pourrait inviter quelqu'un du coup, si j'ai bien compris. Comicius, comme moi. J'essaie de voir un peu hein, ce qu'on peut faire avec. Bon, lui, il a des bonnes notes. Hein. Il a 65 ans, mais... Sinon, après, il faut donner des conseils spirituels à quelqu'un. Je sais pas comment ça marche, mais... Je vais enseigner la vertu. Je perds 500 points pour ça. Ah ouais, bon, non. J'ai pas envie, en fait. Ah si, je devais faire la charité. C'est pas ça qu'il m'avait dit. En mission. Et d'aider ceux dans le besoin de notre esprit, faire la charité des entièrement des dons de lapin. En tant que puissance souveraine, nous attendons à vous. De vous une contribution. Alors comment on fait? Faire la charité. On perd 100 en or. Bon allez, on va le faire. On réussit la mission, on gagne 200 points. On a récemment fait. Et on a 30% de chance de devenir charitable. Voilà, mission accomplie. On a 1500 points. On peut convertir carrément un comté à notre religion quoi. Bah, je pense qu'ils sont tous à notre religion, mais ouais, je pense que c'est bon hein, mais c'est pas grave. Mon souhait de devenir un meilleur catholique m'a amené à respecter la lettre de Saint Augustin. Je ne suis plus cruel. Une grande caravane marchande venue de loin se présente aux portes de votre forteresse. On les laisse entrer. Sans problème. Le soir venu, le grand marchand s'assoit près du feu et il nous donne. Il nous parle de l'Hindoustan et puis il va nous donner un eunuque, normalement. Voilà. Enfin, oui, si, il est eunuque, ouais. Ouais, il est bon d'intendance, dira. Ouais, vas-y, viens si tu veux. Ça va
un petit moment qu'on n'a pas eu de maladie ou d'épidémie. Ah bah si, ça y est, on en a. Qu'est-ce que je raconte, moi? Bah si, voilà. Il suffit que j'en parle pour que... Oula, le roi de France a été assassiné par la comtesse Emma de Guines. Qui est là. Ah, quand même, ouais. Et donc, le roi de France qui a hérité à 8 ans. Ah ouais, putain, le complot pour l'assassiner aussi, il est assez énorme. Hein. Sinon, après, c'est carrément le roi de Thrace qui en hérite de la France. Oula. Ah oui. Bien, bien, bien. Pourquoi pas. Je sais pas où en est la croisade, mais ils ont l'air de galérer quand même. Hein. Les teutons. Notre maréchal a amorcé un recrutement, ok. On peut nommer un nouveau commandant. Bah lui il est bien. Ah, on peut investir dans les technologies. Alors militaire non, clairement. Économique oui, dans les infrastructures. Ouais, alors donjon j'aurais bien aimé, mais c'est loin. On va investir dans les infrastructures citadines, on a un peu de retard. Et en culturel, on a pas mal de points. Alors soit on prend ça, on a des meilleures opinions des vassaux nobles, des vassaux bourgeois, des vassaux religieux. Majesté en gagnant prestige et en piété. On n'a plus le malus de court règne. Si on augmente la tolérance, le statut significatif des femmes. Et après, on a le légaliste, débloque des décisions actuellement non disponibles pour votre personnage. Ah, et après on peut pouvoir entièrement centraliser... Ouais, on débloque des choses qui peuvent être intéressantes. Alors, soit la majesté, court règne moins 2, statut significatif des femmes. Ça veut dire. Je ne sais plus où c'est. Il n'y a pas un truc pour ça. Ça, ça aurait été bien ça. Que les vassaux ne puissent plus faire la guerre. Loi en vigueur, guerre, hein, titulaire, administration impériale. Ouais, je crois que c'est pas encore. Hein. Je sais pas si je peux tout court d'ailleurs. Bon, on va prendre la coutume noble, allez. Et la coutume religieuse, allez. On va prendre ces deux-là, comme ça, ça augmente un peu les... Ce que pensent les gens de nous. Le comte qui cherche à revendiquer le duché de Cornouailles. Le duché de Bretagne, pardon. Mon physicien a suggéré que je lui achète de meilleurs outils chirurgicaux afin qu'il soit capable d'accomplir des procédés plus poussés. Bah, je veux bien, oui. Mais bon, ils me raquettent tous, hein. Tous! Sans pitié! Ouais, donc des enfants, c'est très bien. Alors, est-ce qu'on finit sur une petite guerre pour récupérer ça? Ça fait beaucoup de guerre, hein. Mais bon, au moins... Ouais, si nous gagnons la guerre, hein, acquiert, le comte, on s'en fout. On va récupérer le duché de Cornouailles, déjà. Enfin, le... revendication de jure sur le Middlesex ou l'Essex. Comté du Middlesex, le comté d'Essex, non. Tiens, j'ai pas de revendication sur ça. Ah, et ben, va falloir en faire une en fait, parce que du coup, non, sur ça je peux pas. Bah non, j'ai pas le duché, si. Si, pour. Ah non, c'est lui le duc de Cornouailles. D'accord, donc je peux pas. Bon, on peut récupérer le Middlesex. On va récupérer le Middlesex, y'a pas de raison. Si c'est pas pour l'un, ça va pour l'autre. On relève des troupes, hein. Hop, décidément, on commence à avoir l'habitude. Tout ce petit monde ici, ça on range. Ça ici, tout ça on range, tout ça on range. Tout ça on range. On va accélérer un petit peu. Le physicien, il a gagné 2 en érudition. Oh la vache, il est bon. Hein. 26. Bon, tellement que je vais le prendre en chapelain si je peux, non? Non, je peux pas. Bon, tant pis. Les bateaux, paf.
paf, 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 paf. Ah, toujours de la micro-gestion, hein, mais bon, je commence à avoir l'habitude. Tac. On rentre dans le bateau, on va à Kent. Oh bah lui, ça, il y va, les gamins. Voilà, je pense que c'est largement suffisant. On va garder les bateaux au cas où. Bon là, le siège devrait très bien se passer. On va même mettre à 5. Hein. Je surveille quand même les Irlandais, mais ils vont débarquer, ça y est. Wow, ils sont largement pas assez nombreux. Un saint a trépassé, le bienheureux Gérald de Cornouailles. C'était un saint lui, carrément. Eh ben bravo à lui. Ah, du mal à sélectionner. Quand on met une vitesse trop grande dans ce jeu, c'est très compliqué. J'ai reçu une lettre de membre de l'ordre des Dominicains, Yacoub. Accepteriez-vous en tant qu'éduit chrétien de me donner quelques conseils sur ma poésie? Bien que j'apprécie les métaphores, elle semble un peu forcée. J'ai oublié les passages les plus agréables de la foi. On va le sucer bien comme il faut. Que Dieu vous bénisse, la lettre évidente de quelqu'un qui règne donne rarement suffisamment de temps pour la contemplation. Je vous demande de vous aller de penser à votre vie et vos actions, une sorte de pénitence. On va accepter. On doit se reclure pour faire pénitence. Très bien. On va le faire. Aujourd'hui, ma réclusion commence. Je choisis une chambre simple dans le château. Je vais passer la plupart de mon temps au cours des prochains mois entre ces murs, faire la prière, lire la Bible et contempler ma vie. On peut faire ça, hein, de toute façon, entre toutes les guerres qu'il y a, le personnage. Ça va pas lui faire de mal mentalement de s'isoler. Je commençais à penser qu'Yacoub s'est offusqué de mes commentaires, mais aujourd'hui j'ai reçu un nouveau bruit de son travail. Je suis surpris de constater que ces mots me parlent vraiment. Gribouillé dans la mare, j'arrive juste à lire. Je vous implore, frère, soyez indulgent avec moi, ce n'est pas terminé. C'est un travail brillant que le monde doit reconnaître. Je peux perdre de l'argent. Vous avez l'intention de vous assurer que ces verres seront conservés. On va faire ça. C'est bon, l'argent à chaque fois. Au d'un moment, il y en a ras le cul. Pour parler clairement. Je ne comprends pas un passage de la Bible. Des mots sont désuets, leur signification est profondément cachée par de nombreuses expressions imagées. Cela profiterait grandement à mon développeur spirituel si je découvrais l'essence même du texte, bien qu'à ce stade, il serait peut-être préférable de demander à mon chapelain. Alors, on peut 35% de chances de réussir, 65% de chances d'échouer, ou notre chapelain nous aide. Et c'est l'inverse. On va essayer comme ça. L'orgueil n'est pas conforme à la règle de Saint-Augustin, alors j'ai décidé de m'adresser au chapelain pour obtenir de l'aide. Il a été agréablement surpris pour ma demande et ensemble nous avons démêlé les formulations du passage. Avec l'aide et la patience de Raymond, j'ai enfin réussi à comprendre. Il a réussi à m'expliquer le passage de la Bible. Je suis flatté que vous pensiez que mon travail pourrait intéresser l'ordre des Dominicains, vous écrit Jacques Loup. Merci de votre soutien, frère, continue utile. Avant de vous assurer des corrections qu'il a l'intention d'apporter avant que la version définitive du manuscrit n'entre dans la bibliothèque. On a une forte amitié avec Yacoub, un polonais. J'aurais pu l'inviter, hein, Yacoub, à ma cour d'ailleurs, tiens. Pourquoi pas? Il est où Yacoub? Dans toute la liste là, parce que alors faut aller le chercher. Hein. J'ai peut-être raté. Parce qu'il y en a un peu du monde hein, quand même. Hein. Ah mais c'est le Conversus, c'est mon ami. Est-ce que je peux l'inviter à ma cour? Non, il voudrait pas. Bon, très bien. J'avais pas fait gaffe que c'était lui en plus. 40%, on va aller faire le siège de ça. Hop, je vais accélérer parce que là l'épisode je vais encore dépasser sur ma durée habituelle. Ouais, bon, ça on va pouvoir faire des sièges. J'ai passé toute la journée à faire la prière avec une profonde concentration. Durant les premières heures, je n'ai rien remarqué d'inhabituel, mais à un moment j'ai perdu la notion du temps et je suis entré dans un état onirique. Il n'y avait rien d'autre que les saintes paroles qui passaient par mes lèvres, elles sonnaient vraies comme la plus douce des musiques. Dieu m'a montré la lumière. Je passe du temps à faire pénitence et je fais des progrès. Allez, on déclenche les assauts pour accélérer les prises de position chez nous. Voilà, maintenant on va aller à l'autre comté.
perds quelques troupes au passage, mais bon, rien de... La journée était maillée de nouvelles idées, de révélations. Dans ma solitude, j'ai eu beaucoup de temps pour penser à mes actes, ma vie, ma place dans ce monde, des choses auxquelles je n'avais jamais pensé avant et qui, présent, sont devenues très claires. Je continue, j'avance dans ma pénitence. C'est bien. Très bonne chose. Bon, là, par contre, 2000 troupes. Peut-être pas faire d'assaut, hein. Il y a dans la Bible un puits de passage sans sagesse sans fond. Aujourd'hui, j'ai découvert de nouvelles significations dans plusieurs passages sur lesquels je m'étais jamais penché. Je vais prendre ces leçons à cœur et les garder avec moi. C'était vraiment un livre de merveille. Très bien. Bon, bah écoutez, je pense que ce sera peut-être un peu trop long pour faire ça. Alors, nous sommes heureux de progrès. Pendant votre réclusion contemplative, vous avez fait de grands pas sur la voie de la règle de Saint-Augustin. Je déclare votre mission achevée. On gagne 200 points. Hop, et puis on va arrêter là, parce que ça commence à être long. Et on, voilà, la prochaine fois, on devrait pouvoir passer assez rapidement Conversus, parce qu'on gagne pas mal de points en plus chaque mois. Donc avant notre mort, si tout va bien, 58 ans quand même, ça devrait le faire. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi. Prochain épisode, on termine la guerre. Je vérifie vite fait si ça en est ici, mais je pense pas que ça ait changé. Ah, il y a un nouvel héritier. Ah bah oui, ça y est, elle a hérité de sa mère. Qui est morte de mauvaise santé à 37 ans. Bah voilà. Ça c'est con. Ça c'est con. C'est très très con. Parce que là je peux plus lui acheter de faveur. Ah si, je peux, mais j'ai pas les sous. Ouais, de toute façon ça va continuer de compliquer. Bah tout ça pour rien. Bon, après lui il est sympa, c'est pas le problème, mais. Ils ont toujours pas de gosse eux. Ah non, mais franchement ça va me rendre fou cette histoire. Parce qu'au pire, je vais lui révoquer le titre, hein. Ça va être vite vu, moi je vous le dis. Hein. Si je peux, d'ailleurs. On a un pacte de non-agression. Que je vais immédiatement... On peut pas ? C'est quoi ce bordel ? Faut que je sois en paix. Très bien, bah, dès que je suis en paix, je romps le pacte de non-agression. Et faut pas que j'oublie, par contre, j'ai intérêt à me laisser une note. Hein. Enfin, en même temps, je continue d'avancer. Mon travail a porté ses fruits dans le Cornouailles. Oh, ça coûte cher ! Mais bon, au moins ce sera fait. Voilà. Je deviens humble. Je vais peut-être finir juste ma guerre parce que j'ai peur d'oublier. J'ai déclenché un assaut du coup. Je vais aller taper les troupes qui sont là. Je suis désolé, en fait, je vais faire durer l'épisode un peu plus longtemps. Mais j'ai vraiment peur d'oublier d'annuler ça. Ça risque de se retourner contre moi. Je vais mettre 27 5. Je sais que c'est une fin un peu accélérée comme je les aime pas trop parce que ça peut... Voilà. Ah, qu'est-ce qu'on gagne? Ok, on a gagné point économique. Ouais, je suis un peu n'importe quoi. Hein. Là, franchement, c'est perdre des troupes connement. Mais c'est juste pour accélérer le score de guerre. 95%. Allez, 100%. Tac, on a plus d'exigences. La guerre est finie. Je regarderai ça tranquillement. Je ne fais plus rien d'autre. On range juste les troupes. Voilà. Pareil ici. Pareil là, on renvoie là, et tout de suite je vais rompre le pacte de non-agression. Je vais perdre un peu de prestige, c'est pas grave. Et lui, il va falloir que je voie pour lui révoquer son titre, hein. Je vais pas avoir le choix. On est en période de trêve, ah oui, en plus. Donc il fallait vraiment que je le fasse au plus tôt possible, hein, parce que du coup, comme on est en trêve, on est en trêve jusqu'à quand ? Je sais pas si c'est marqué ça. Bon. On peut réclamer des sous parce que nos coffres sont vides. Comtesse du Vexin, oui, on. Elle a accepté. Voilà. Bon, on voit tout ça la semaine prochaine. Allez, la semaine prochaine. Dans 2 jours, pardon. Je m'arrête là. Merci à tous et à tous de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous.